Avec ce nouveau siège aménagé selon les standards internationaux et équipé de matériel moderne, International Business Bank s'inscrit dans une ambition affichée de créer un groupe financier en vue de participer au développement économique et social du Burkina et de l'Afrique. La nouvelle dynamique, c'est ce n'est plus l'État, mais c'est essentiellement le secteur privé qui doit se mobiliser à travers la Chambre de commerce, à travers toutes les institutions qui travaillent pour réaliser des investissements dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine bancaire. Mahamadou Bonkungu, à la tête d'un vaste empire économique, en est le principal actionnaire. Son entrée en 2018, à hauteur de 51% dans le capital social de l'établissement, fait de la banque la seconde institution financière au capital le plus élevé du pays, avec plus de 22 milliards de francs CFA. Nous avons cru à la vision de l'actionnaire majoritaire. Nous avons adhéré aux ambitions qu'il avait pour cette banque et nous avons décidé d'associer l'image de la caisse à ce nouvel élan. IB Bank compte investir sur les applications mobiles pour répondre aux besoins de mobilité et d'instantanéité de ses clients. L'innovation sera donc placée au cœur de sa stratégie. Autrefois, Banque de l'Habitat du Burkina Faso, l'institution reste bien entendu le bras financier du gouvernement pour sa politique du logement, surtout dans son volet social.